Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer une petite création, un petit mini-album que j'ai réalisé avec ce bloc-ci que j'avais trouvé dans mes affaires. Voilà, il date de l'année dernière, je pense. Voilà, c'est un kit pour faire des cartes. Et moi, je m'en suis servi pour faire un mini-album. J'ai utilisé pour faire la structure, la base du mini-album, j'ai utilisé ces petites cartes que j'avais achetées à Noz, vous voyez. Je crois que vous les avez montrées dans un haul. Voilà, c'est ce paquet-là. Hop, attention, ça ne veut pas. Voilà, c'est du papier. À la base, c'est des bases de cartes pliées en deux, vous voyez. Et donc, je les ai utilisées pour faire mon mini-album. Donc, j'ai utilisé ce kit. Je ne sais pas s'il y est toujours cette année, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est enfantin, c'est rigolo, j'ai bien aimé travailler avec. Et voilà le résultat. Donc, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Il va pas tenir. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai utilisé en grande partie le kit. Donc tout ça, c'est du kit. Cette petite écriture là, c'est un lot de d'embellissement que j'avais acheté à... Alors attendez. Voilà. Hop. Voilà, c'était dans ce style là. Voilà, j'avais acheté un rose l'année dernière. J'en avais acheté plusieurs. Et donc, j'en ai utilisé un ici pour faire le titre du mini-album. Et j'ai mis un Miracle Christmas. Là, le papier de fond, c'est un papier que j'ai trouvé dans mes affaires. J'ai utilisé. J'ai maté avec un papier noir qui vient de chez Cultura. Il me semble, l'année dernière, il y a 3 ans. Ouais, il y a plutôt 3 ans que je les avais. Donc c'est des feuilles 15-15. Donc vous voyez, il y avait plusieurs motifs dans le haut papier. Il y avait dit comme ça, il y avait du vert pailleté, du vert pas transparent, effet miroir. Donc j'ai utilisé le noir pour mater un petit peu ce papier, un peu jacquard, un peu, je ne sais pas comment trop ça s'appelle. J'ai utilisé donc ça, c'est un petit die cut. Le petit nœud, c'est un nœud que j'ai acheté à Noz lors de mon dernier tour à Noz. Alors ici, j'ai coupé une carte, une fond de carte du kit. Donc j'ai coupé pour faire ma petite partie là, vous voyez. Hop. Ça, c'est des petites choses du kit aussi que j'ai collé. Voilà. Le ruban, c'est un ruban que j'ai trouvé il me semble que j'ai acheté à Lidl il y a plusieurs années. Donc j'en ai toujours. Alors voilà l'intérieur. Je vais essayer d'enlever ça pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc là, vous avez le rabat de la couverture. Là, vous avez une première page. Donc les petits die cuts que j'ai mis ici, je ne les ai pas collés entièrement. Comme ça, on peut glisser une photo ici, voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, j'ai utilisé donc un fond de carte avec un petit personnage en 3D. J'ai mis la mousse 3D de Jiffy. Toujours celle que j'aime bien utiliser. Là, j'ai mis un fond de carte avec un petit cerf. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, le mini s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis un petit personnage et un fond de carte pareil. Et là aussi, avec le petit traîneau. Hop. Et là, au dos, pareil, j'ai mis un petit personnage avec un fond de carte.
Et là, c'est la couverture. Et donc, dans le mini, j'ai rajouté des petits tags, enfin des grands tags. Je vais essayer de les prendre. Avec une main, c'est pas évident. J'aurais dû le sortir avant, excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai fait un tag comme ceci. Donc, pareil, j'ai collé un fond de carte, un petit morceau de... Ça, c'est un die cut du kit, hein, toujours. J'ai fait une perforation avec un... J'ai mis un œillet en métal et un petit bout de ruban. Donc, j'en ai fait deux. Je vais essayer de vous montrer le deuxième. Alors, attendez. Voilà, le deuxième. Qui est comme ceci. Là, j'ai pas rajouté. J'ai juste mis un fond de carte. Voilà, et au dos, il n'y a rien. Donc ça, on peut mettre des grandes photos devant et au dos. Hein. Donc ce petit album, je vais le faire avec vous en tutoriel. Comme ça, ça vous donnera une autre idée de mini-album pour Noël, pour offrir. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Voilà comment il se présente. Vous voyez, hop. Donc il fait à peu près 15 cm par 15 cm. Donc je vais vous proposer le tutoriel prochainement. Donc dans la semaine, je vais essayer de vous le faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous voyez, des fonds de cartes. Un petit kit comme ça de cartes. Moi, je le fais avec celui-là, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel kit. Hein. À Action, il y en a plein. Des petits kits pour faire des cartes. Voilà, donc moi j'ai celui-ci. Je crois que vous les avez montrés. Il me semble que je vous les avais montrés pendant un haul. Ils sont super beaux. Celui-ci qui est un peu type vintage. Ils sont super beaux. Celui-ci que j'ai déjà utilisé pour réaliser un autre album que je vous ai montré en vidéo. Et j'ai celui-là que j'ai utilisé pas mal aussi. Celui-ci, j'ai utilisé dans d'autres mini-albums que je vous ai présentés. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous prépare donc le tutoriel pour réaliser ce petit mini qui est très, très rapide à réaliser. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.